learn and play. العب واتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Donc les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le cinquième pilier de la foi. Donc le cinquième pilier de la foi qui est la foi au jour dernier. Vous pouvez répéter après moi, la foi au jour dernier. Et aujourd'hui, nous allons expliquer, inshaAllah, qu'est-ce que ça veut dire que la foi au jour dernier. Alors comme vous le savez, le croyant, il croit aux six piliers de la foi. Alors le premier, c'est le fait de croire en Allah. Le deuxième, croire en ses anges. Le troisième, croire en ses livres. Le quatrième, croire en ses messagers. Et ces quatre premiers piliers, on les a déjà expliqués. Le cinquième, croire au jour dernier. Alors une définition simple et rapide afin que l'on comprenne que veut dire croire au jour dernier. Ben, croire au jour dernier, c'est-à-dire croire en tout ce qui va se passer après la mort. Parce que comme vous le savez les enfants, le musulman, il est certain que la mort ce n'est pas la fin. Quand quelqu'un y meurt, ça veut pas dire il n'existe plus. Ça y est. Non. La mort, c'est un passage vers une autre vie. La vie que l'on appelle cette station intermédiaire que l'on appelle El Barzah. El Barzah. C'est à dire que l'être humain, une fois qu'il quitte cette vie, il va automatiquement dans cette nouvelle vie qui est la vie dans la tombe, la vie dans la tombe. Et la tombe, ça sera, comme on le verra, un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Jusqu'au jour où Allah Ta'ala Il ordonne à l'ange de souffler dans la trompe et l'ange sera tous ressuscités pour la dernière vie. Darul achera qui sera soit dans le paradis ou soit dans l'enfer. Donc il y a combien de vies? Il y a trois vies. Hayatul dunya, la vie d'ici bas, celle que nous vivons là maintenant. Hayatul Barzahiya, la vie intermédiaire dans la tombe. la vie Finale, la dernière vie qui sera soit dans le paradis <coughs> ou soit dans l'enfer. Donc là, nous allons expliquer, Inch'Allah, ce qui se passe au moment où la personne elle meurt. Au moment où la personne, elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, des fois, on peut se poser cette question. Et nous, les musulmans, on ne doit pas avoir peur de la mort. Faut pas que la mort ça nous fasse peur. Pourquoi ça doit pas nous faire peur? Parce que on doit se préparer. Si on se prépare, on se prépare pour ce jour en faisant plein de hasanat, en faisant plein de bonnes actions. Eh ben, on n'aura pas peur de la mort. Et parmi les meilleurs moyens de se préparer c'est d'adorer Allah, seul, sans rien lui associer. Et parmi les meilleurs moyens de se préparer à ce jour-là, ben c'est de faire la prière. Les cinq prières quotidiennes. Puisque celui qui fait ses prières, et ben, dans sa tombe, cela sera de la lumière. Donc, lorsque la personne, elle meurt, Lorsqu'Allah Azza wa a décidé qu'aujourd'hui, demain, dans un an, dans dix ans, dans cinquante ans, dans cent ans, ça allait être le jour de ta mort. À ce moment-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ordonne à Malakul Maut, l'ange de la mort, de venir chercher ton âme. Il ordonne à l'ange de la mort de venir chercher ton âme. Et là, il vient et il recueille ton âme. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu as été un moumine, un croyant. Si tu as été un croyant, et ben l'ange, il va venir près de toi. et il va recueillir ton âme avec douceur il va recueillir ton âme avec avec douceur il va venir à près de toi et il va te dire Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a informé. Il nous a dit au moment où la personne meurt, les anges viennent à lui. Les anges, ils vont venir devant toi. Si tu as été pieux, c'est-à-dire que tu as cru en Allah, tu as adoré Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer, quand tu as fait la prière, tu l'as fait pour Allah. Quand tu as fait des dua, tu as demandé à Allah. Toute ta vie, tu as appliqué la ilaha illallah. Si tu as cru en Allah, tu as cru aux anges, tu as cru aux livres, tu as cru aux messagers, tu as cru au jour dernier, tu as cru au destin, qu'il soit bon ou mauvais, tu as, attesté attester que de la ilaha illallah, que seul Allah azawajal mérite d'être adoré en vérité. Tu ne lui as rien associé. Tu as cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salam. Tu as obéi à ce qu'il t'a dit. Tu t'es écarté de ce qu'il t'a interdit. Tu as suivi sa sunnah. Tu as fait tes cinq prières. Tu as fait la zakat une fois dans l'année si tu en as les moyens. Tu as jeûné le mois de Ramadan une, le mois de Ramadan si tu en as la capacité. Et tu as fait ton pèlerinage si tu en avais les moyens une fois dans ta vie. À ce moment-là. Et bien sûr, tu t'es écarté des grands péchés. Tu n'as rien associé à Allah. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas tué, tu n'as pas, euh, euh, insulté, euh, notamment ceux qui insultent la religion ou autre. Tu n'as pas fait des grands péchés. Tu t'es écarté de ces grands péchés. À ce moment-là, les anges se mettent au niveau de la personne et lui disent, Oroji, sors. Ils lui disent, rodji sors. Imagine que l'ange te parle et il te dit Sors, ô âme heureuse. Regarde comment l'ange te parle si tu as été un croyant. Sors, ô âme heureuse qui était dans ce corps heureux. Sors, glorieuse. C'est-à-dire tu as réussi. Tu as réussi dans cette vie. Hamida, sors, car en réalité tu as réussi. Réjouis-toi du repos et de la grâce d'une part. C'est-à-dire que la mort pour toi, ça sera un repos. Tu n'auras plus toutes les difficultés de cette vie. Et, sors parce que ton Seigneur est content de toi. Ton Seigneur est un Seigneur satisfait. Allah, il ne sera pas en colère contre toi. Donc regarde au moment de mourir. Les anges te disent ça. Les anges te disent qu'Allah, il est content de toi. Un Seigneur qui est satisfait, qui est content, il ne sera pas en colère contre les croyants. Et les anges répètent cette phrase jusqu'à ce que ton âme sortira de ton corps. Ton âme sortira de ton corps. Et c'est pour ça que les yeux y suivent l'âme. Tes yeux, ils vont voir ton âme partir. Et c'est pour cela que lorsque il y a quelqu'un qui meurt, pour ceux qui sont vivants autour de lui, ils vont lui fermer les yeux. Quand quelqu'un y meurt, on lui ferme les yeux. On lui ferme la bouche. On le recouvre d'un drap complètement. On ne le laisse pas comme ça. Les yeux ouverts, la bouche ouverte, etc. Ensuite, on va le laver. On va lui faire le lavage. Et inshallah, un jour, je vous expliquerai comment on fait le lavage. Ensuite, on le met dans les linceuls. Ensuite, on fait la salatul janaza. On fait la prière janaza sur lui. Ensuite, on l'enterre. Ça, c'est ce que nous, les vivants, nous vivons lorsqu'il y a un mort autour de nous. Mais là, nous, on vous explique que vit le mort. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne Alors, on lui répète cela, les anges lui répètent cette phrase. Sors. Sors ô âme heureuse qui était dans un corps heureux. Sors glorieux, tu as gagné, tu as récolté le succès. Tu pourras te reposer et Allah est satisfait de toi. Ensuite l'âme, elle sort du corps. Et là les anges, vous savez qu'est-ce qu'ils font Ils montent tout en haut jusqu'au ciel avec l'âme. Mais vous savez, que le ciel il y a dans le ciel il y a des portes même si on ne, les, on ne les voit pas on y croit fermement et là les anges qui gardent les portes du ciel disent qui est là ils demandent lorsqu'on leur demande d'ouvrir la porte ils posent la question et ils disent qui est là Alors on lui dira, c'est un tel, fils d'un tel. Ils diront ton prénom et le prénom de tes parents. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils diront Les anges, qu'est-ce qu'ils diront Ils diront, Marhaban. Marhaban الطيبه Bienvenue. Bienvenue à l'âme heureuse, à la bonne personne qui était dans un corps heureux. Entre glorieux, réjouis-toi du repos et d'un Seigneur satisfait, et ton Seigneur ne sera pas en colère contre toi. Et ensuite, on lui répète cette phrase. On lui répète jusqu'à ce qu'elle monte chaque ciel, jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Auprès d'Allah, Tabaraka wa ta Mais si l'âme, si la personne qui est mort, c'était pas une personne qui adorait Allah, c'était pas une personne qui disait La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Si cette personne, elle a adoré autre qu'Allah. Si elle a invoqué autre qu'Allah. Si elle a prié pour autre qu'Allah. Si cette personne, elle ne faisait pas partie de ceux qui faisaient la prière et qui pensaient que la prière n'était pas une chose ou même ils disaient c'est pas obligé, moi je ne prie pas. Ils ne faisaient pas leurs cinq prières et ils commettaient des mauvaises choses. Alors, les anges, les anges ne vont pas, ne vont pas leur dire ce qu'ils ont dit aux croyants. Mais vous savez ce qu'ils vont leur dire, les anges Ils vont leur dire Sors, ô mauvaise âme Sors, ô âme affreuse, qui était dans un corps vilain, sors humilié et réjouis-toi de l'enfer et de tout autre châtiment. Et là, les anges répéteront cette phrase sans cesse, les anges répéteront cette phrase jusqu'à ce que l'âme elle sort. Ensuite, ils vont la conduire au ciel. On lui demandera d'ouvrir la porte. Mais les anges qui gardent le ciel diront Manhada. Qui est? Qui est-ce? Ils diront Fulan, Ibn Fulan. C'est un tel. Ils diront son prénom. Ils diront le nom de ses parents. Mais vous savez ce qui leur sera dit? Pour le croyant, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges du ciel? « Marhaban, bienvenue !» Et là, pour celui qui n'a pas été musulman, on leur dira « La marhaban !»« La marhaban, tu n'es pas le bienvenu !»« La marhaban bin nafsil khabitha !»« Tu n'es pas le bienvenu !» L'âme affreuse qui était dans un corps laid, n'est pas la bienvenue, retourne humilié, retourne retourne, car les portes du ciel ne te seront pas ouvertes, et ensuite, on ramènera cette personne dans sa tombe. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas monter au ciel et on le remettra dans sa tombe. On le remettra dans sa, dans sa tombe. Donc, la première des étapes, la première chose qui se passe après la mort, retenez, c'est la tombe. C'est la première étape de l'au-delà. Donc, moi, en tant que musulman, je suis certain que ceux qui sont enterrés dans les cimetières, eh ben, en fait, ils sont vivants dans leur tombe. Leur corps n'existe plus, mais leur âme est vivante. Et la tombe, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis. Un magnifique jardin pour le croyant. Ou soit c'est un trou parmi les trous de l'enfer. Ça veut dire qu'il y en a qui seront punis, châtiés dans leur tombe. Et parmi les choses qui font que la personne est châtiée dans, leur to dans, dans la tombe, il y a plusieurs choses qui font que la personne peut être punie dans sa tombe. Parmi ces choses-là, le mensonge. Celui et celle qui ment. Et malheureusement, des fois, beaucoup d'enfants, ils mentent beaucoup. À l'école, ils mentent. À la maison, ils mentent. Dehors avec ses copains ou ses copines, ils mentent. Avec ses frères et sœurs, ils mentent. Toujours ils mentent. Ils s'inventent des vies. Ils, se, ils, ils, ils racontent des choses qui n'existent pas. Ou même des fois, ils racontent même des blagues. Mais en fait, c'est du mensonge. Ils font rire, ils mentent, simplement pour faire rire les gens. Eh ben, ça, c'est un mensonge, et le mensonge, il est interdit en Islam. Et celui qui ment tout le temps, qui ne demande pas Allah Azzawajal de lui pardonner, il peut être châtié, puni dans sa tombe. Également, parmi les choses qui font que la personne peut être punie dans sa tombe, c'est ceux qui dorment, alors que c'est l'heure de la prière. Ce qui dort, alors que c'est l'heure de la prière. Et ici, on doit faire attention à cela. Lorsque je suis en âge de prier, lorsque je suis en âge de prier, je me réveille le matin pour faire la prière du fajad. Ensuite, je me rendors. Mais, je ne dors pas et je me réveille quand le soleil, il est déjà levé et je fais ça tout le temps. Non. Cela ne fait pas partie du bon comportement que le musulman doit avoir envers son Seigneur. Et en ce moment, comme le Isha, il est très tard, tu peux rester éveillé jusqu'à la prière du Maghreb. Et juste après le Maghreb, tu le rassembles avec le Isha. Beaucoup de nos savants, Rahimahumullah, nous ont autorisés à faire cela parce que nous sommes dans une région de la France ou dans le monde où l'heure du Isha est très tard et l'heure du Fajr est très tôt. Alors à ce moment-là, je peux prier le Maghreb et tout de suite après le Isha et ensuite je vais me coucher. Également parmi les choses où la personne sera punie dans sa tombe. Il y a le fait de ne pas faire attention lorsque je fais pipi et que le pipi touche mes habits. Le pipi touche mes habits et moi je ne nettoie pas, je ne m'essuie pas convenablement et je fais la prière comme ça. Le musulman, lorsqu'il rentre aux toilettes, il doit connaître les bonnes manières. Et parmi, parmi les bonnes manières, lorsque je rentre aux toilettes, je rentre avec le pied gauche. Et avant de rentrer, je dis Bismillah Allahumma inni bik min al wal-khaba'is. Et celui qui ne connaît pas cette invocation, il demande à ses parents s'il peut m'envoyer un message et je vous ferai un audio et vous pourrez l'apprendre. Ensuite, peu importe les besoins que je fais, que je fais pipi ou que je fais caca, peu importe que j'urine ou que je vais à la selle, je fais assis. Que je suis un garçon ou que je suis une fille. Il n'y a pas de différence. D'accord On Et c'est plus propre, c'est plus pur, c'est meilleur de faire cela, euh, de faire ses besoins assis. Ensuite, je ne me mets pas en direction de la qibla. Je ne me mets pas en direction de la prière lorsque je fais mes besoins. Également, je m'essuie avec la main gauche. Je m'essuie avec la main gauche et je ne me suis pas, je ne touche pas mes parties intimes avec la main droite. Alors, je peux m'essuyer avec du papier. Et ensuite après avec de l'eau, où je peux me souiller que avec de l'eau, où je peux me souiller que avec du papier, mais minimum je prends trois papiers. Également au, aux toilettes, je ne parle pas, je ne parle pas ou je ne lis pas le, le le téléphone ou la tablette ou je le regarde, je vais aux toilettes simplement pour faire ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, je sors du toilette et bien sûr, je m'enferme, je ne vais pas aux toilettes la porte ouverte, tout le monde me voit. Ensuite, je ferme bien la porte. D'accord Je ferme bien la porte. Ensuite, je sors avec le pied droit et je sors avec le pied droit et je dis Rofranek. Je dis Rofranek. et ensuite je lave bien mes mains et pour celui qui peut, il fait ses ablutions. C'est toujours bien. De renouveler ses ablutions à tous les moments de ta journée. Donc on essuie bien son urine, parce que celui qui ne le fait pas, cela peut être une cause qu'il sera puni dans sa tombe. Également, parmi les choses qui font que la personne sera punie dans sa tombe, il y a le fait de faire de colporter des mensonges c'est-à-dire tu vas voir un exemple ton copain ou ta copine à l'école et tu dis eh hey, tu sais elle, elle a dit ça sur toi ensuite tu vas voir l'autre et tu lui dis hey, tu sais elle, elle a dit ça sur toi et après tu fais des histoires entre les gens toutes ces choses là toutes ces choses là ne font pas partie du bon comportement et il se peut qu'allah tabaraka ta'ala les punit. donc voilà pour quelques choses importantes par rapport à ce qu'il se passe après la mort. Et bi-idnillah, on continuera ce sujet, qui est un sujet très important. On continuera ce sujet demain, inshaAllah, à la même heure. Et on parlera, on continuera cela. Et on parlera également, inshaAllah, du souffle dans la trompe. On parlera du souffle dans la trompe. Que tient l'ange Israfil. Donc voilà les enfants, j'espère que ce cours vous a été utile. À vous maintenant devrez d'appliquer ce que l'on a dit, d'adorer Allah de la meilleure manière et de faire convenablement vos cinq prières dans la journée. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم وصفاء سلام عليكم أتمون